100% à Toulouse. 100% les tubes et l'info. Et elle est de retour avec nous sur 100% Radio, c'est Joyce Jonathan jusqu'à 17h. Bonjour Joyce. Bonjour. Et à tes côtés, nous avons Wilfried également. Bonjour Wilfried. Bon, c'est sympa de passer nous voir Wilfried aussi, hein, parce que tu la connais bien Joyce. Oui, attends, il parle mandarin. Je suis obligé de traduire. Explique-nous. Joyce Jonathan. Il parle Wilfrandarin. C'est ça. Voilà. Et il dit qu'il est ravi d'être là, ouais. Que voilà. Exactement. Bon. Il kiffe la vie. Je sens qu'il y a un historique entre vous, non, donc tu vas nous raconter ça. C'est tout simplement pour dire à tout le monde qu'on accueille une star internationale. Effectivement, ouais, et c'est vrai. Et que Joyce est même obligée de chanter en mandarin. Et Joyce a mis sa carrière. Pas obligée, c'était une volonté, mais c'est très sympa. En fait, c'est très musical, le mandarin. C'est vrai. Ouais. Tu nous fais un petit exemple, là ou... C'est vrai que c'est très très mélodieux. Ça me dit quelque chose, ça, Axel. Ça me dit quelque chose. Bah oui, on connaît le titre original en français, on va dire. Bah, voilà, sûr, exactement. Et d'ailleurs, on l'écoutera un peu plus tard parce que Joyce, elle est avec nous aujourd'hui parce qu'elle retourne avec ça. Les petites jolies choses, c'est son 5e album, 4 ans après On. Et bah voilà, donc c'est les petites jolies choses, ça y est, 5e album. Ouais. Il est là, il est arrivé avec donc ces petites choses qu'on fait tous les jours, hein, c'est ce que tu nous dis dans cette chanson. Mm-hmm. Des petites choses qui nous apportent du bonheur au quotidien, c'est un petit peu ça. Ça oui, fait du totalement, bien. C'est des choses qui sont propres à chacun et qui nous mettent des petites doses de bonheur. C'est notre vitamine C. Et voilà, chacun, on identifie des choses qui nous rendent heureux. Et moi, je sais que c'est l'odeur du café le matin, le pain grillé, les petits bruits qui croustillent, le lever de soleil, où j'ai l'impression de voir un tableau dans le ciel. Des petites choses que toi, tu as remarquées que nous, finalement, on ne voit presque plus. On fait plus attention. Non, bah des petites choses en tout cas que moi j'adore, que d'autres adorent aussi, et toi t'en aimes sans doute d'autres parce qu'on n'est pas dans ton intimité. Ouais. Et finalement, c'est les petites choses qu'on kiffe tous dans notre quotidien. Ouais. Quotidien. Voilà, oui, c'est mandarin. Bon, et puis tu es devenue maman également cet automne, hein, d'une petite Julia. Oui. Alors voilà, il y avait l'album qui était en train de se préparer. Est-ce qu'elle t'a inspiré justement des chansons de ta fille? Oui, totalement. Il te l'a bien amené, t'as vu, les petites choses. J'ai dit, quand est-ce qu'il va arriver Ouais. Voilà, bravo Axel. Merci Wilfried. Bah bien sûr, ça a révolutionné ma vie. Et il y a une chanson concrètement qui parle d'elle, qui s'appelle Une petite fille. Ouais. Qui c'est en fait l'annonce de ma grossesse. Et je voulais trouver un angle pour annoncer au public qui me suit et aux gens que j'aime que j'étais enceinte. Mmh. Et je me suis dit que la façon de le faire, c'était en chanson. C'est comme ça que ça me ressemblait le plus. Quand on a un enfant, le quotidien est bouleversé. Est-ce que tu as changé justement ta façon de travailler aussi en fonction peut-être des couchers, des biberons, tout ça. Est-ce que tu travailles peut-être plus la nuit? J'ai réalisé que les journées pouvaient être plus longues, ouais. Qu'elles pouvaient commencer à 7h normalement, et tous les jours d'ailleurs. Et puis je pense que je vais un peu plus droit au but sur pas mal de choses. J'ai envie de moins perdre de temps, d'avoir des journées qui tracent un peu plus parce que j'ai envie de retrouver ma fille, j'ai envie d'être à fond dans mon travail, c'est ce qui me passionne, ouais. Et à fond aussi quand je rentre à la maison et être avec ma fille, donc voilà, ça trace un peu plus. Et après oui, comme tous les enfants, je vais pas faire la mère gaga, je pense comme tous les enfants, elle aime la musique, donc elle est hyper réceptive. Il y a plein de chansons de l'album que j'ai écoutées et réécoutées pour les travailler, sur les arrangements, parfois sur des petites parties de musique, et elle faisait des là, des petites choses comme ça, c'était trop mignon. C'est un peu ta première testeuse, finalement. Voilà, exactement, sur c'est les mon chansons. Premier public. Ouais. C'est comme quand on va dans une salle roder un show, voilà, moi j'ai rodé mon show c'est ça. Avec ma fille. Et tu vas pouvoir nous interpréter justement maintenant en live dans le grand studio 100% les petites jolies choses. Avec plaisir. Premier extrait de ton dernier album, donc il y en aura d'autres tout à l'heure. Et puis là, on va pouvoir te découvrir en acoustique, donc tout de suite, en direct sur 100% Radio, les petites jolies choses avec Joyce Jonathan sur 100%. Les petites jolies choses, ça met dans le gris juste une touche de rose. Ça change pas la vie ni la couleur de la mer. Ces rayons de soleil en plein hiver, les petites jolies choses. Parfois on les voit plus, c'est la vie en prose. Un peu de poésie,
qui nous sourit quand on refait le monde avec un ami. Pour toi et moi, si c'est tout ce qui nous reste, pour la beauté du geste, comme quand tu remontes le col de ma veste. Fais-le pour toi et moi, montre-moi si tu l'oses, si c'est pour la bonne cause. Au fond de ton cœur, c'est comme un bouquet de fleurs, ces petites jolies choses, ces petites jolies choses. Petites jolies choses, ça sent le café au petit matin et le pain grillé, ces bonheurs qu'on ne voit pas et qui nous manqueraient s'il n'était pas là. Les petites jolies choses, c'est rien que la somme de quelques détails, une chanson qu'on siffle, un moment sur 100% radio. Tu remontes le col de ma veste, fais-le pour toi et moi, montre-moi si tu l'oses, si c'est pour la bonne cause. Au fond de ton cœur, c'est comme un bouquet de fleurs, ces petites jolies choses, ces petites jolies choses. Toujours de grands malheurs, c'est pas les médailles, c'est pas les honneurs, même s'il y a de grands combats qui s'imposent, qu'on n'oublie pas de faire une pause pour ces petites jolies choses, ces petites jolies choses, ces petites jolies choses. Comme quand tu remontes le col de ma veste, fais-le pour toi et moi, montre-moi si tu l'oses, si c'est pour la bonne cause. Au fond de ton cœur, c'est comme un bouquet de fleurs, ces petites jolies choses, les petites jolies choses. 100% radio avec Joël Jonathan qui est notre invité aujourd'hui. Elle revient avec cet album, Les Petites Jolies Choses, que je montre aux caméras parce que oui, nous sommes filmés comme d'habitude lorsqu'on reçoit des artistes ici dans le grand studio 100%. Wilfried également qui m'accompagne parce que Wilfried justement, oui, parce que j'accompagne plusieurs fois dans ta Joyce, carrière. Oui, Joyce, depuis ce matin en fait je fais... Tu lui fais visiter la région. Voilà, je fais tourisme avec Joyce, une région qu'elle connaît bien. Ouais. Oui, j'ai eu l'occasion de... Attends, attends, je reprends. Une région qu'elle connaît bien. Oui, mais j'ai eu l'occasion de venir beaucoup grâce à vous. C'est vrai. Oui, je suis venue à Auch ou Auch. T'es un peu... Auch, on va dire Auch. Chaud. Ouais. Chaud. T'es venue à... En langage Jones. T'es venue à Albi, t'es venue à Toulouse. Enfin, t'es une amie de, ouais, de 100%. Tarbes, ouais, oui, Tarbes également. Ouais, Albi, beaucoup de concerts. Alors justement, propose-nous un petit dans le rétro avec toi, Wilfried, ah bah, sur les dates la date, de Joyce Jonathan. Annonce la date, on peut aller à l'année 1989. Ah, c'est sa naissance, ça, je crois. Oui. Bah, et ben voilà. Justement, on démarre par le commencement. Ouais. Les cours de piano et un événement. J'allais dire qui se rapproche un petit peu de ce qui se fait en ce moment. Ouais. Un événement participatif pour ta première création avec, par exemple, une personnalité qui avait donné un petit peu à l'époque. Il s'appelait Michel Denisot, tu sais, un petit qui débute dans la télé. Canal Plus. Qui avait c'est donné. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ben oui. Ben ouais. Michel avait donné pour. Oui, il faisait partie de mes 486 producteurs. Bah, voilà. En fait, donc le concept de My Major Company, c'est que les internautes sont les producteurs quasiment le jour de mes 18 ans, j'ai été produite sur internet comme ça, ce qui m'a permis d'enregistrer mon premier album. Et c'est vrai que Michel Denisot faisait partie donné. Des 486. Tout à fait. Et je salue Michel car je sais qu'il nous écoute. Peut-être. Non, ça c'était en 2008. Hein, 2008. Ouais, oui, ouais, on 2008. A fait un grand bond dans le temps. Ah oui. Et 1989-2008. 2008, voilà. Et ensuite, Joyce s'est entourée de personnalités, un des plus grands guitaristes du monde. Ouais. A bossé avec Joyce.
Axel, de qui s'agit-il? Oh, attends, je le vois. Il aurait pas fait partie de mon téléphone. Exactement, exactement. Louis Bertignac. Louis Bertignac. Bravo. On s'en rappelle, Joyce, de ce moment avec Louis Bertignac. Ah ouais, c'est bien sûr. C'est les tout premiers tubes, hein, c'est Je ne sais pas, pas besoin de toi, c'est là qu'on te découvre. C'est à cette époque-là. Ah, je croyais que tu voulais chanter. Oui, bah, c'est à ce moment-là, c'est vrai que c'était une chance inouïe de travailler avec Louis Bertignac. Je l'ai contacté, c'était une volonté de ma part, et pas de ma maison de disques forcément. Et en fait, je lui ai envoyé mes premières chansons, dont faisait partie Pas besoin de toi, Je ne sais pas, L'heure avait sonné, d'autres chansons. Et il m'a répondu, ah, ça c'est pour moi. Et très rapidement, on s'est retrouvé dans son studio près de Paris et on a enregistré tout l'album. Et voilà, il m'a beaucoup appris parce qu'il a une approche très humaine de la musique et c'est comme ça que j'aime faire de la musique. Et surtout, toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler par la suite avaient vraiment cette approche. Et voilà, on enregistrait des voix dans sa cuisine, on faisait des ballets. À quelle heure avec Louis Bertignac dans la cuisine? Travaillait le soir. C'était le matin à 15h. Moi, en plus, je suis une couche tôt, je bois des tisanes. Ah bah, avec Louis, à mon avis. Je me disais, mais waouh, genre, on se retrouve tard, genre, je suis fatiguée. Mais ça prouve le caractère, en fait, de Joyce de Nathan. Hein, c'est 2013. Voilà, on passe à caractère. Alors, ce qui m'avait étonné sur caractère, tu as parlé de Hoche tout à l'heure. On s'était croisé à Hoche juste avant ton concert. C'était au Criard, si je me souviens bien. Oui, Criard en deux mots. Et juste avant, on avait fait une émission en direct, juste avant ton concert. Oui. Et en t'attendant, justement, tes musiciens s'entraînaient là avec caractère. Et en boucle, j'avais l'intro de caractère là que tu viens de nous mettre. On va le remettre. Vas-y, remets-le. Ah, ça. Où t'avais des musiciens tout seuls juste avant ton arrivée sur scène, là, pendant une demi-heure, là, qui répétaient. Et j'avais cet air dans la tête juste avant de faire le direct avec toi. Et ça, c'était à Hoche, encore une fois, dans la région. Mm. Voilà. On t'avait trouvé une place, Axel. Eh bien, parfait, une place pour moi, c'est ça? Exactement. Donc là, on est en 2016, le temps passe. Hein. Ah, le temps passe, ça défile, ça défile. Ouais. Avec un single d'or. Ouais, single d'or. Voilà. De platine. Ah bah bon, bah même de platine, on a pas actualisé de platine depuis. Ah bah d'accord, donc formidable. Non, c'est parce que comme je l'ai reçu et que je l'ai à la maison, je le sais, mais je... Avec là encore un petit débutant là, de la région, encore une fois, une personnalité. Vianney. Là, c'était le bonheur à cette époque-là. On est sur de la grosse transition. Ouais. Et puis oui, le duo avec Vianney, bien sûr, les filles d'aujourd'hui. Qui est d'ailleurs le clip qui continue à faire des vues sur YouTube. C'est vrai qu'il y a beaucoup de générations qui continuent à le découvrir. Tout à fait. Tout à fait. C'est là que Joyce est devenue est devenue mon héroïne. Ah d'accord. Oh là là là, pas mal. Les dates, Axel. Je sais pas. C'est plus récent. Si, 2019. Oui. 2018. C'est On. Non, 2019. C'est de On. 2019. Alors, et c'est On, là c'est encore... 2018. Ouais, 2018. 5 octobre. Voilà. Et c'est cette époque où, justement, encore dans la région, on t'avait accueilli au 100% live du côté du Tarn à Albi, Joyce. Voilà. À fond. Avec Lola Dubigny, on avait chanté Mon héroïne. Alors, ça, c'était pour la fête de la musique à Toulouse. Ah oui. Aussi, absolument, aussi. En 2019. Ouais. En fait, elle était là pratiquement tous les... Je crois que je vis chez 100% Patrick. Ouais, en tout cas, ça nous fait bien plaisir. Et pour à la sortie de ce nouvel album. Ouais, c'est clair. Merci pour ce Dans le rétro avec toi, Wilfried. Et bah, avec grand plaisir. Ça fait remonter plein de souvenirs. C'est vrai. Puis, on va revenir dans quelques minutes avec Josh Jonathan, qui est notre invité, à l'occasion de la sortie de son dernier album. On va parler dans un instant du tube que vous entendez en ce moment sur 100% Radio. Ce duo avec Jason Emraz, À la vie, à la mort. Et tu nous interpréteras justement une version acoustique dans quelques minutes, ce sera juste après Kenji Girac. Josh Jonathan avec nous sur 100% Radio jusqu'à 17h. Et Josh Jonathan avec Jason Emraz, c'est le duo qui fait partie de ce dernier album À la vie, à la mort. Josh, justement, t'as décidé de... C'est qui parle? C'est Jason? Jason Emraz on 100% Radio with Josh, my friend, Josh Jonathan. Yes, welcome Jason. Yeah, how are you? You are Wilfried Emraz et de près. Emraz et de près. Tout à l'heure, en début d'émission, je pense qu'avec le mandarin, on en avait perdu une partie, mais alors là, si vous parlez anglais, et là, on pas été dans une vanne gilette à Emraz de près. Très bon, Joyce. Donc, ce duo, évidemment, qui fait partie de ton cinquième album. Alors, justement, comment s'est passée cette rencontre? Quelle est l'histoire de ce duo avec Jason Emraz, À la vie comme à la mort? Qui n'était pas, à la base, c'était un morceau en anglais. Hein. Oui.
À l'origine, c'est une chanson de Jason Mraz, en duo avec une chanteuse philippine. D'accord. Qui s'appelle Renée Dominique. La chanson s'appelle Could I Love You Anymore? Et en fait, en mars 2020, je reçois via mon attaché de presse Jean-Michel Canitrou, qui est ici, qui m'a accompagné aujourd'hui. Bisous Jean-Michel. Je reçois une demande de l'équipe de Jason Mraz qui cherche une chanteuse française pour faire ce duo et pour faire une adaptation française du texte. Et donc, je me dis, bah grave, évidemment, Jason Mraz, je l'écoute depuis toujours. Ouais. J'ai adoré sa chanson I'm Yours, que j'ai pu reprendre plein de fois à la guitare. Ouais. Et donc, j'étais trop contente. Je leur envoie une version de la chanson réinterprétée, en fait. Qui en n'est philippin. Pas une pas en philippin, ça t'aurait plu, je sais, t'aurais fait une imitation. Exactement. Non, je leur envoie une traduction en fait qui n'est pas une traduction littérale, mais vraiment une réinterprétation parce que j'avais envie de parler de choses personnelles. C'est comme ça que je m'imprégnais de la chanson aussi. Et ça leur a vachement plu. Et donc, Could I Love You Anymore, qui veut plutôt dire Est-ce que tu m'aimeras encore, est devenu À la vie comme à la mort. Et qui fait partie donc de ton dernier album qui est sorti le 11 mars, Les Petites Jolies Choses. Oui. C'est la face A, qui est constituée donc d'un album de 12 titres. Et il y a également une face B, donc on parlera un peu plus tard, parce que là, justement, tu vas pouvoir nous interpréter À la vie à la mort, en live, ici, en acoustique, depuis le grand studio 100%. Et pour boucler la boucle, chez My Major Company. Ah, dont on a parlé tout à l'heure au début. Effectivement, elle est de retour dans sa première maison. Voilà, c'est exactement. Ça. Exactement. Voilà, c'était juste ça, Axel. Oui, alors c'est plus Michel Denisot n'est plus mon producteur, puisque le système n'est pas le même. C'est pas du participatif, c'est un label qui fonctionne de façon traditionnelle. C'est-à-dire il y a un producteur en interne qui produit. Ouais. Voilà. Et voilà, mais c'est vrai que j'avais vraiment besoin de ce retour aux sources parce que c'est un album qui est très personnel avec des arrangements très organiques et très connecté au réel et ça me faisait du bien de m'entourer de personnes qui me connaissent très bien. Bah écoute, c'est dommage, j'avais 20 euros dans la poche, je voulais participer. Eh bah non, c'est plus possible. Ah non, tu peux acheter l'album. Hein. Ah non, c'est 5 euros, pardon. Mais je peux aller acheter l'album. Je vais aller acheter l'album. Jonathan, du coup, tu vas te diriger vers le studio 100% radio pour interpréter À la vie, à la mort en live acoustique. Nous deux ensemble, main dans la main. Sentir ta peau au petit matin. La vie est simple comme un de toi. Apprendre ta langue pour mieux te parler. Tomber amoureux, ça m'était plus arrivé. L'amour nous a rendu difficiles. Et ce qu'on a nous deux, c'est différent. Quand je suis avec toi, j'ai plus besoin de rien. À la vie comme à la mort. À la vie comme à la mort. À la vie comme à la mort. Sunrise, time flies, feels like a dream. Being close, inhaling, hard to believe. Tu es apparu comme une chance. On s'est trouvé comme une évidence. Y'a plus qu'à toi que je pense. Could I love you anymore? Could I love you anymore? Could I love you anymore? Toi dans mes bras. Joyce Jonathan avec nous sur 100% Radio. Merci d'être là, Joyce. Mais merci de m'inviter, c'est un plaisir. On va parler avec Wilfried également de la face B de ton album qu'on peut découvrir également. Une face B qui est un peu plus Jay-Z. Alors justement, Jay-Z, c'est Jay-Z, c'est du rap. Ouais. Voilà, c'est très jazzy, donc comme on peut l'entendre.
Ah, moi j'aime beaucoup cette partie d'ailleurs. Merci. Ah ouais. Et alors justement, invité surprise, quelqu'un a souhaité te poser une question par rapport justement à cette phase B, hein, un peu plus jazzy. On écoute, c'est l'invité surprise sur 100% Radio. Tu nous expliqueras un petit peu après justement qui c'est pour toi. Salut, salut. Alors, oh, petite question pour Joyce. Joyce, on a fait cette expérience ensemble où tu as touché au jazz. Est-ce que un jour, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu seras prête pour faire un vrai hommage à une chanteuse de jazz, par exemple? Je sais pas, Nina Simone ou Ella Fitzgerald ou je sais pas, un truc dans cet esprit-là. Mais avoir vraiment un vrai hommage au jazz et aux chanteuses de jazz. Moi, je pense que tu es capable. Oh. Voilà, c'était ça ma question. Je vous embrasse. Ah oui, eh ben, nous aussi. On a sorti les trompettes là. Explique-nous justement, Joyce, qui vient de te poser une question? C'est Ibrahim Malouf. Ouais. Dont la voix est très identifiable, en plus de sa trompette identifiable. Ouais. On a donc collaboré, enfin on a créé ensemble toute cette phase B. Il s'agit de 6 chansons. Et quand on s'est rencontré avec Ibrahim il y a 3 ans, ça a été un vrai coup de foudre musical, puisque très rapidement on a eu envie de faire des chansons ensemble. Et la première fois qu'on s'est retrouvé en studio, on a fait 3 chansons, le lendemain 2 chansons, le surlendemain 2 chansons. Et c'est vrai qu'on a été très productifs. Et comme la partie face A, les petites jolies choses, étaient déjà très avancées et dans une direction qui est plus pop-folk, je me suis dit, bon, je veux garder l'identité de ces chansons de jazz, j'ai envie que ça sorte maintenant aussi. Donc... faisons un double album. Et voilà, en fait, cette phase B est offerte avec l'album physique. Mmh. Puisque quand on achète l'album physique, il y a d'un côté le CD jaune, Les Petites Jolies Choses, et le CD rouge, Toi et Moi, en collaboration avec Ibrahim Malouf. Ouais, 6 titres que tu as pu justement écrire, composer avec Ibrahim. Et alors, est-ce que tu lui réponds justement peut-être à sa question? Parce que je sais qu'Ibrahim va écouter l'interview, peut-être pas en direct, mais en replay. Donc tu peux lui répondre directement. Et tu lui donneras aussi, Joyce, l'idée de la sortie du titre Je m'en vais pas. Oui, absolument, je m'en vais pas. Bah, c'était pour toi. C'est ce que je voulais que tu dises à Axel, parce que c'est sorti le 21 janvier, c'est la date de mon anniversaire. Oui, le 21 janvier, bien sûr. Non, mais t'étais pas au courant. On n'était pas là, mais on voulait te dire s'en va pas quand même. Merci, Joyce, c'est vraiment sympa d'avoir pensé à moi. Pardon, je t'ai coupé, Joyce. Alors, déjà, merci à Ibrahim, parce que je sais à quel point il est occupé en ce moment, donc c'est trop mignon qu'il ait pris le temps d'envoyer une question, qui est une très bonne question en plus. J'adorerais faire un hommage à Fitzgerald ou à Nina Simone. Bien sûr que c'est des chanteuses qui ont une dimension vocale extraordinaire, elles ont une identité dingue, une personnalité, et j'adorerais reprendre l'une de leurs chansons. Bon, donc en tout cas, voilà pour la réponse, et on est impatient de découvrir ce que ça donnera, peut-être plus tard. Peut-être avec Ibrahim d'ailleurs. Peut-être. Allez, justement, en attendant, petit live encore ici sur 100% en direct du grand studio. Thébaud. Allez. L'histoire de ce titre, avant de nous l'interpréter. Thébaud, donc fait partie des petites jolies choses, du disque jaune. C'est une chanson qui parle de nous tous, je pense, parce qu'on a l'impression qu'il faut tricher pour être beau, tricher pour se sentir beau, et finalement on est beau quand on est le plus naturel possible, quand on est soi-même. Et cette chanson, elle parle de ça, du fait de qu'on n'a pas besoin de se maquiller, qu'on n'a pas besoin de faire un régime drastique, de mettre des filtres à tout va sur Instagram. On est beau quand naturellement, et on est beau quand on est nous-mêmes. Allez, on profite avec Josh Jonathan en direct sur 100% Radio, en live avec Thébaud, Josh Jonathan. Tu joues les caméléons, tu prends les gens pour des cons, mais toi t'es qui dans le fond? T'as jamais la même voix, t'es jamais fidèle à toi, en fait on te connaît pas. Toi t'aimes changer de peau, comme d'autres jouent sur les mots, est-ce qu'entre nous tout est faux? T'as pas besoin de tous ces jeux, on s'en fout de ton personnage. T'es beau naturellement. T'es beau quand c'est toi, et c'est beau quand ça se voit. T'es beau tout simplement. Oh oh oh. C'est beau quand tu fais pas semblant. C'est beau quand c'est toi, c'est beau quand tu y crois. C'est beau tout simplement. T'as tellement suivi de mode, t'en as oublié les codes. Maintenant t'es aux antipodes.
changes de discours juste pour être au goût du jour. Tu fais que des demi-tours. En fait t'es jamais le même. On sait jamais si tu aimes et où en sont tes dilemmes. T'as pas besoin de tous ces jeux, puisqu'on se fout de ton image. Oh oh oh, t'es beau, t'es beau, t'es beau naturellement. T'es beau quand c'est toi et c'est beau quand ça se voit. T'es beau, t'es beau, t'es beau tout simplement. C'est beau quand tu fais pas semblant. C'est beau quand c'est toi, c'est beau quand tu y crois. C'est beau, c'est beau, c'est beau tout simplement. Toi tu voudrais bien faire mais tu crées la distance. Tu prends des faux airs, tout n'est qu'en apparence. Pour ce que peuvent dire les gens, au fond tu perds ton temps. Oh oh oh. T'es beau, t'es beau, t'es beau naturellement. T'es beau quand c'est toi et c'est beau quand ça se voit. T'es beau, t'es beau, t'es beau tout simplement. C'est beau quand tu fais pas semblant. C'est beau quand c'est toi, c'est beau quand tu y crois. C'est beau, c'est beau, c'est beau tout simplement. Oh oh oh. Pour toi. Jeune Jonathan avec nous sur 100% Radio à l'occasion de la sortie de son 5e album, Les Petites Jolies Choses. Il est là l'album, il est beau, il est magnifique. Et puis il y a aussi la face B, Toi et Moi, avec Ibrahim Malouf, bien sûr, un peu plus jazzy. Et, puis, et non pas Jay-Z. Et non pas Jay-Z. Voilà, rien à voir avec le rappeur. Et quelques concerts évidemment qui accompagnent la sortie de ce nouvel album, c'est normal. Évidemment. Et notamment d'ailleurs, si vous voulez voir Jazz Jonathan, que vous n'en pouvez plus d'attendre, vous êtes impatient, pas de panique, elle sera là très bientôt le jeudi 23 juin L'Ariège. À Pamiers en Ariège. Voilà, ça c'est une date. Et puis il y en aura d'autres bien sûr qui vont arriver par la suite. Et puis si vous avez le courage de venir jusqu'à Paris, et oui, il y a le 30, 31 mai et 1er juin à la Nouvelle Ève. Et le concept c'est qu'il y a un thème par soir. Donc c'est le même concert, mais avec trois invités différents qui vont définir le thème. D'accord. Donc le premier soir, c'est un thème jazz. Justement, Ibrahim Malouf sera peut-être là. On ne sait pas. Le 31 mai, c'est un thème femme. Mm-hmm. Il y a trois chanteuses femmes. Et le 1er juin, c'est un thème chanson avec trois artistes de chansons. D'accord. Voilà. Et comme tu es un petit peu ambassadrice de la radio dans la région, hein, de 100%, je crois que tu organises un bus justement pour qu'on aille à Paris voilà, pour te voir. C'est ça, voilà, le bus voilà. 100%. Ouais. Le bus 100% avec Jonathan. Cinq albums, ça devient pas un peu compliqué de faire des choix de titres quand on prépare la scène justement ouais, là. Alors oui, absolument. C'est très plus dur qu'avant. Ouais. En plus, j'ai pas mal de balades, donc c'est dur parce que je suis très attachée aux balades en général, mais j'ai envie que le concert soit dynamique. Donc c'est un vrai mélange de tous les albums avec quand même peut-être une bonne moitié du nouvel album, mais on retrouve tous les titres comme Ça ira, Je ne sais pas, Pas besoin de toi. Et voilà, c'est un bon mélange, on a essayé de faire un show très dynamique. D'accord. C'est ton côté Gérard Lenormand ça pour les balades des, oui, des gens heureux. Heureux. Voilà, voilà. Et merci pour les références aujourd'hui. à Pamiers, pour ta liste de titres que tu vas interpréter, oui, c'est vrai que ça doit être une prise de tête. C'était très dur de faire une tracklist, le choix des chansons. Et voilà, et j'y ai réfléchi longuement, et c'est un show qui est assez complet, qui est un petit peu plus long, je pense, que sur la précédente tournée. De pas grand chose. 5 minutes. Ouais. Non, pas comme le show de Pascal Obispo chez 100% Radio. Oh, Joyce, tu vas. Ah non, attention. C'est un concert. Oui, parce qu'il y en avait un presque, c'était 0 minute d'ailleurs. Donc tu peux faire. En tout cas, bon, c'est le 23 juin. Exactement. Un concert pop, Joyce. Un peu d'acoustique comme tu as fait sur 100% aujourd'hui. Peut-être oui, un peu de jazz. Avec les musiciens. Jazz, c'est compliqué parce que ça demande beaucoup de musiciens justement pour. Oui, après, pour trompettiste, etc. On peut retranscrire quand même un piano joué un peu plus jazzy. Ouais. Il y a une contrebasse sur scène. Et d'accord. Donc je suis accompagnée de trois musiciens qui sont absolument géniaux. Mm-hmm. Donc batteur, contrebassiste, bassiste, c'est la même personne. Mm-hmm. Et le guitariste qui est aussi pianiste. Et voilà, on alterne, moi je fais aussi guitare et piano. Mais justement, parle-nous du petit piano avec lequel t'es venu nous voir mais aujourd'hui. Mais oui, il est trop mignon. Bah, on a l'impression qu'il tient dans ton sac à dos. Axel, c'est bon tant pis, non c'est un bon tant pis le... Non, c'est non Yamaha. Ah, c'est Yamaha. Ouais. C'est pas. C'était la version Wilfried quand moi, il était enfant. Voilà, en fait. Exactement. Moi, j'avais la même chose, mais en bon, tant pis. Ah, bon, oui. Je ne sais pas jouer comme Joyce, hein, mais. Alors, voilà. Pourquoi justement tu ne te sépares plus de lui? On a l'impression. Je parle pas de Wilfried, je parle du clavier. Ouais, attention. Parce que déjà, il est très mignon, ce petit clavier. Le clavier. Toi.
Okay. Non, c'est vrai qu'il est sympa. Et c'est très pratique. Bah, franchement, quand je dois répéter un truc, que j'ai une idée de chanson, c'est hyper pratique. Il se branche sur secteur ou avec pile. Je suis au téléachat. C'est sûr que c'est plus pratique vraiment, que de balader un piano. Mais tout c'est à l'heure, absolument plus pratique. Oui. C'est pratique. Tout à l'heure, à l'apéro, elle a sorti le petit clavier. Elle a fait une petite chanson à l'hôtel. Voilà. C'est sympa. Exactement. Nickel, nickel. Bon. Ouais. Et ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir, Jonathan. Non, mais oui, ça va. Ça ira ou pas? Ça ira très bien. Oui, on te retrouve tous les matins sur 100% radio. Demain 10h. 10h, 13h, évidemment, avec notamment la voyance à midi avec Christine. Et en tournée touristique dans la région avec Joyce. Éventuellement. Voilà, tournée gastronomique. Voilà. Allez, avant de partir, Jonathan, un dernier morceau en live acoustique, ça ira. Voilà, oui. Ça ira. Ça va nous rappeler des souvenirs aussi. Saïti, oui. Wilfried voulait vraiment le dire. Exactement. En mandarin. Voilà. En tout cas, Joyce, merci encore une fois d'avoir répondu présente à notre invitation. Mais merci de m'avoir invitée et j'étais ravie d'être là, de venir déjeuner à Toulouse, de venir vous voir, de redécouvrir vos bureaux qui sont magnifiques, enfin vos scènes. Oui, votre scène, ça en a fait. Grandi aussi chez 100% Radio. Voilà. La scène est canon, donc regardez le live vidéo. Exactement. Merci pour cette promo, Joyce. Et n'oubliez pas, bien sûr, l'album est sorti le 11 mars dernier, Les Petites Jolies Choses. Il est là, il est magnifique, vous avez 12 titres. Et face B avec 6 titres plus jazzy avec Ibrahim Malouf. Joyce Jonathan sur 100% Radio en live acoustique avec Saïra tout de suite. Dis-moi que si tu... Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Et dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amoureux. Dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. Je suis la seule que tu n'aies jamais autant désirée. Et je n'ai pas de rendez-vous, plus de rencarts que j'ai envie d'accepter. Avec toi c'est évident, je suis prête à oublier mon passé. Et j'ai toujours aimé charmer, mais peu importe, s'il n'y a qu'à toi que je plais. Je me dis que c'est toi. Et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs. Juste comme ça. Et je me dis que c'est toi. Et pour la toute première fois, pardonne-moi mes doutes et mes colères, mais t'en feras l'affaire. Et toi et moi, ah ça ira. J'aime les airs assurés que tu empruntes au plus beau monument. Ton regard doux comme un secret, tes caresses aux limites de l'indécent. Tu comprends tous mes silences, chacun de mes petits moments d'absence. Et si je vais au paradis, je suis pas sûre de voir la différence. Et je me dis que c'est toi. Et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs. Juste comme ça. Et je me dis que c'est toi. Et pour la toute première fois, pardonne-moi mes doutes et mes colères. Le temps fera l'affaire. Et toi et moi, je me dis prenons des risques. Et de toute façon c'est trop tard. On aura des souvenirs, des jolis moments dans les tiroirs. J'ai peur de ta gentillesse, elle promet tant de bonheur, tu sais. J'ai peur et je me dis que c'est toi. Et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs. Juste comme ça, je me dis que c'est toi. Et pour la toute première fois, pardonne-moi mes doutes et mes colères, le temps fera l'affaire. Et chez 100% Radio, ah, ça ira. Je...
Joyce Jonathan était notre invité sur 100% Radio. Allez voir bien sûr le replay, les vidéos, tout ça sur notre site web 100%.com. On revient très vite avec les infos et le tube de Kid Laroi, Justin Bieber sur 100% Radio.